Malengue, hein. Mamblé, malengue déjà. On partage, bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, 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 on partage, on envoie les cœurs et on like, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien. Partagez le live, s'il vous plaît. J'en ai pas pour longtemps. Partage le live, on partage, on envoie les cœurs. Bonjour, 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 bonjour. J'ai fait l'allergie. On partage. Ferme un peu la porte de la salle de bain là-bas au bruit de la machine, pardon. Thank you. Et il me reste 15 jours.
Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, vous portez bien. Moi, ça va bien. Mais fatiguée. Vous savez que le soleil et moi, c'est pas bon, non? Je supporte pas le soleil. La vieillesse, les vieux, les personnes du quatrième âge, là, ne supportent pas le soleil, hein? On ne supporte pas le soleil. Vous savez que je suis du quatrième âge, c'est pas du troisième âge. On écoute un peu le son, le temps que vous partagez. C'est le nouveau son de l'heure. Le nouveau son de l'heure. Maintenant, j'écoute seulement la musique de ce monde. Para la chambre, après la suite. Je vous défier. Je vais défier la danse. Je vais la défier. Vous connaissez, non? Laissez faire ça. Quand il va les mettre dans le pain, là, moi, je vais les danser sur ce coup-là. Encore les fesses là, mais là, quand mes fesses sont sorties, non? Même ma mère m'a dit qu'elle va me donner un gros cadeau. Ma mère m'a dit qu'un gros cadeau comme ça qu'elle va me donner, comme je l'ai sur une jambe. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. Je ne veux pas être longue parce que j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Bonjour tout le monde, bonjour la TKC, bonjour les sympathisants. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que j'ai fait un direct pour sensibiliser par rapport à la soirée. Alors, je tiens comme ça déjà à remercier toutes les personnes qui m'ont fait honneur à cette soirée. Toutes les personnes qui étaient à cette soirée, je vous dis comme ça, merci. Merci de m'avoir honoré. Merci d'avoir répondu présent. Et on s'est bien amusé. Je suis quittée de là, j'étais
Tipa. Quand moi je pars à une fête, je rentre étant Tipa, ça veut dire que la fête avec lui. Voilà. Ce n'est pas le, comment on dit, le vrac qui fait problème ou alors. On s'est bien amusé. L'essentiel est qu'on s'est très bien amusé. Si on ne s'était pas bien amusé, on n'allait pas rentrer à 5 heures. Nous sommes sortis de là-bas, il était 5 heures. On nous chassait même seulement, nous on était assis là. Donc je vais dire merci comme ça à toutes les influenceuses qui étaient à cette soirée. Toutes les influenceuses qui sont venues me représenter. Merci beaucoup comme ça à vous. Merci de m'avoir fait honneur. Merci d'avoir répondu présent. Vraiment merci de tout cœur. Et je sais que c'est comme c'est la tontine. Tu me tends la main, je t'étends la main. Donc merci à vous. Et pour notre soirée, elle était belle, sauf que la salle n'était pas pleine. Parce que je veux vous rappeler déjà, un, c'est une association qui était à leur première édition. Et non seulement ils étaient à leur première édition, elles n'ont pas travaillé avec comment on dit quoi? Vous dites ça quoi? Le diplôme, des gens de Paris. Vous savez, quand tu pars dans une ville, pour partir travailler dans une ville, essaie de contacter les personnes de cette ville. Essaie de travailler avec les gens de la ville. C'est-à-dire, essaie d'aller vers les associations. Bon, elles étaient un peu fermées. Elles n'ont pas élargi leur communication. Donc, déjà, je suis contente qu'il y avait du monde. Mais dorénavant, je pense que je vais leur donner des conseils d'aller vers d'autres associations. Parce que les associations, vous savez que c'est donnant-donnant. Tu viens chez moi, je viens chez toi. Tu viens pas chez moi, je ne viens pas chez toi. Donc, il faut souvent aller vers des personnes. Il faut aller vers d'autres associations. Comme ça, il y aura une prochaine édition, je pourrai leur conseiller. Et j'ai promis, je serai là toujours pour les aider pour la pub. Il n'y a pas de souci à ça. Surtout que j'ai ma famille qui est dans cette association. Donc c'est une obligation pour moi déjà de les accompagner quand il y a des œuvres comme ce qu'il y avait là. C'était une très belle soirée. L'été, quand c'était contente, elles ont dit qu'elles ont été bien reçues. Et il y a beaucoup d'éloges. C'était bien, en tout cas, c'était trop bien. Et j'ai dit merci à notre sœur qui est venue de l'Allemagne. Il y en a qui sont venus de la Suisse. Rien que pour venir avec mon beau-frère. Je te fais un gros bisou. Toi, mon beau-frère. Tu sauras de qui je parle. J'étais assise avec toi. Je te fais un gros, gros bisou. Prends ton cœur. Merci à toi. Voilà. Donc, la prochaine fois, quand il y a un événement comme ça, il faut aller dans d'autres associations. Essayer de discuter avec des personnes. Prendre même deux personnes dans la communication. C'est comme si on quitte. Moi, je quitte par exemple, comme je suis à Rouen maintenant. Je quitte Rouen pour venir m'imposer à Paris. Non. Je vais faire tout pour travailler avec les gens de Paris. C'est comme ça. Si toi, peut-être, tu quittes pour venir travailler à Rouen. Bon, Rouen, je ne peux pas dire que Rouen, c'est ma ville. Hein. Je vis à Rouen, mais ce n'est pas vraiment ma ville parce que je n'ai pas d'amis à Rouen. Donc, Rouen, j'ai des sœurs ici à Rouen. Je n'ai pas d'amis à Rouen. Donc, ça veut dire que je suis toujours chez moi. Je n'ai pas d'amis à Rouen. Donc, s'il faut faire un événement à Rouen, je suis obligé de voir les autochtones, les personnes de Rouen, pour leur dire voilà, comme si je demandais, par exemple, une permission. Je peux aller voir deux ou trois personnes, je leur dis voilà, j'ai envie de faire un événement que je voudrais faire ici. Est-ce que vous pourriez m'aider? Eux, ils savent comment est-ce qu'ils vont faire leur communication. Donc, c'est l'erreur que les femmes de Bilama n'ont pas su. Elles ne connaissent pas, elles n'ont pas l'habitude de faire des soirées. Mais elles se sont pas mal battues, hein. C'était bien. Moi, j'ai trop aimé. Et elles étaient gentilles avec tout le monde. Elles étaient accueillantes. C'est l'essentiel, voilà. Donc, la soirée était belle. Il y a Mani qui est quittée de la Belgique, Mani 5 étoiles, qui est quittée de la Belgique pour venir m'encourager. Elle ne le connaît pas. C'est par rapport à moi. Il y a la Veuve Joyeuse qui est venue, c'est par rapport à moi. Il y a Anka Sachicotte qui est venue, c'est par rapport à moi. Il y a Nicole Kecha qui est partie de l'Italie, c'était par rapport à moi. Il y a mon beau-frère qui m'aime beaucoup, qui est parti de l'Allemagne, c'était par rapport à moi et sa femme qui ont pris la route pour venir pour cet événement. Sans compter les sympathisants, ceux qui sont partis de la Suisse et je n'en cite.
Donc, je vous dis merci d'avoir pris. Déjà, avec l'affaire des JO, c'est compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'étais obligée de laisser même ma voiture. J'ai dépensé pour le taxi ce jour-là, fatigué, parce qu'il fallait aller à Château d'Eau. Les Hitch, là, j'ai dépensé presque plus de 100 euros, hein, rien que pour le taxi. Il n'y a pas de place pour garer. Tout est barré, tout est fermé. C'est compliqué pour entrer dans Paris en ce moment. Donc, les grandes dames de Bilama, vous pouvez être fiers de vous. Votre soirée, comme on dit chez nous, ça avait cuit. Elle était belle. On s'est bien amusé. Moi, je n'ai pas de critique à faire. Bon, vous savez que déjà, elle a eu trop de signes. Elle a eu trop de signes. Il y a des personnes qui ont voulu boycotter même. C'est-à-dire, elle a commandé, elle parlait depuis plus de 3 semaines avec quelqu'un par rapport à la boisson, un Camerounais. Elle a commencé à parler avec la personne par rapport à la boisson qu'elle avait déjà consignée même chez la personne en disant à la personne, voilà, je suis intéressée, je voudrais tel nombre de boissons et tout. Le gars était d'accord jusqu'à jour J, un jour, il lui dit qu'il ne la connaît pas. Vous voyez la sorcellerie. Le gars dit le jour qu'il doit livrer la boisson, il dit qu'il ne la connaît pas, il n'a jamais discuté avec elle. Il dit qu'il n'a jamais discuté avec elle, qu'il ne la connaissait pas. Là même, ça passe. Quand j'appelle, elle me dit que c'est là qu'elle m'explique la situation. Le Seigneur est merveilleux. Il y a un membre de l'association qui est ma soeur, qui a ses contacts aussi, qui a pu trouver quelqu'un qui leur a livré la boisson. Dieu merci. Le même jour de la soirée, elle fait un accident. C'est-à-dire, c'est comme si les freins ont lâché, la voiture rentre en arrière. Donc, elle a eu beaucoup de signes. Il y a eu beaucoup de signes. On dit souvent que quand il y a, il y a des signes comme ça veut dire que la fête va être bien. On s'est bien amusé. La fête était bien. Elle est seulement très forte même. Elle est forte d'avoir été même à la. C'est-à-dire, elle est forte. Elle a eu beaucoup de signes. Vous voyez un peu. Vous comprenez donc que entre nous, il y a toujours des petites jalousies, les gens qui veulent toujours mettre les bâtons dans les roues aux autres. Tout ça parce que c'est qui? C'est une fille Bassa aussi qu'on veut mettre aussi à la hauteur, qu'on veut aussi mettre en haut. D'autres s'énervent, d'autres ne veulent pas. Tout doit passer toujours par eux. On ne peut pas aussi élever les autres influenceuses. Nous sommes nombreuses sur la toile. Il y a toutes les tribus. Laissez aussi les autres pouvoir aussi avoir mis ces 100 euros qu'on nous donne pour une soirée et qu'on nous fait honneur. On me donne 100 euros là et qu'on me fait honneur. Moi, ça me va. Je n'ai pas les longs yeux. Et je ne trempe pas mes mains dans les histoires parce que je vais avoir de l'influence sur la toile. Non, je n'ai pas besoin d'aller voir les charlatans pour qu'on me donne des trucs que je veux manger ou que je veux marcher avec pour avoir de l'influence, pour dire que je suis au sommet. Non, je n'ai pas besoin de ça. Je me contente de ce qui vient devant moi, de ce qui me donne. Je me contente de ça. C'est pour ça que je suis comme je suis. Voilà. Et je dis merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Je vous dis encore merci du fond du cœur. J'ai été coiffée, j'étais belle, j'avais une belle robe, toujours grâce à vous. Donc, une belle chaussure, tout le monde a apprécié. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux bien dire d'autre? Moi, j'étais à l'aise, j'étais contente, j'ai bu. Je suis même rentrée avec une bouteille de champagne, je suis rentrée avec des cadeaux. Ah, même un peu mon cadeau là, pardon. On m'a gardé un très gros cadeau de l'Allemagne. Un très très gros cadeau, je vais vous montrer. Je suis rentrée avec plein de cadeaux. Donc, et comme on sait que j'adore les cadeaux, même ce qui est sur moi, c'est le cadeau qu'on m'a donné là, que vous avez vu là. Il y a un porte-monnaie fabriqué à la main. Vous voyez, moi j'adore, je vais vous montrer l'autre cadeau qu'on m'a donné. Je n'arrive pas à porter. Hein? Vous voyez ça? Ça, c'est un cadeau qu'on m'a ramené là-bas.
Oui, mon cadeau. Je suis très contente. Maman, merci encore. C'est venu tout droit de l'Allemagne. Hein? C'est venu de l'Allemagne. Vous avez vu ça? C'est pas beau ça? C'est pas beau? Hein? C'est pas un beau cadeau ça? Aïe, j'ai mal au poignet. C'est pas un beau cadeau. Voilà tout ce qui est dedans là. J'ai ramené les cadeaux, j'étais contente. Hein? J'étais contente, moi ça me va. Donc maintenant, au reste, je ne gère pas. L'année prochaine, je ferai ma soirée. Je vais faire ma soirée aussi l'année prochaine. J'aurai toujours besoin de votre communication, j'aurai toujours besoin de vous. La TKC va faire une soirée caritative. La TKC va faire une soirée l'année prochaine. Je vous annonce déjà ça. L'année prochaine, la TKC va faire une soirée caritative parce qu'on va faire le tour du monde. Donc j'aurai besoin de vous, la TKC. Vous savez que quand on dit qu'on travaille, on travaille. Là, mes pages sont restreintes. Mes pages sont restreintes, toutes mes pages. L'autre page a disparu. Donc là, je suis en train de recommencer. C'est pour ça que je vous dis de liker, partager, abonnez-vous pour que j'atteigne le nombre pour pouvoir aussi même monétiser cette page. Quand vous savez que quand j'ai une page qui est monétisée, je ne vous embête pas avec les commandements là. Que donne-moi si, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça. Quand j'ai ma page est monétisée, j'ai quand même mon salaire à la fin du mois. Là, toutes mes pages sont au rouge. Toutes mes pages. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez partager. D'accord, j'ai les nouvelles pages là. Vous pouvez, il y a Perpétue Maliba qui est là. Vous partagez. Perpétue Maliba officiel. Vous partagez. Vous vous abonnez. Les enfants de Maman Perpé aussi, eux rouges. Donc abonnez-vous que j'atteigne le nombre, s'il vous plaît. L'autre page a disparu comme ça. On est en train de faire des démarches, mais je n'ai plus trop espoir. Et j'ai entendu notre soeur l'autre jour. C'était hier, j'ai écouté ça chez Cameroun Afrique, Japablaba. Ça m'a fendu le cœur. J'ai eu très mal. Je l'ai contacté hier. J'ai eu très très mal d'entendre. Franchement, est-ce que nous sommes. C'est vrai que moi je suis, j'ai dit toujours moi je suis moi. Hein. Mais est-ce que nous. Quand vous. On me traite parfois de haineuse, là, est-ce que vous avez un cœur? Une femme qui a des enfants, qui a un mari invalide, qui est jeune, qui se bat. Vous escroquez son argent. Et vous partez encore jusqu'à signaler ses pages. Vous la mettez encore mal à l'aise. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce que vous avez un cœur? Est-ce que vous avez pensé à ses enfants? Est-ce que vous avez pensé un seul instant à ses enfants? Vous alors qui avez les cœurs sous la main là. Mais vous n'avez pas pensé à ça. Vous harcelez cette fille tous les jours parce qu'elle vous réclame quelque chose qui est pour elle, qui l'appartient. Vous l'intimidez. Et vous êtes content, vous êtes fier de voir qu'elle pleure. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait comme ça? J'étais en train de chercher la personne qui est en train de rire là pour bloquer la personne là. C'est que comme je viens maintenant là, comme je suis venu maintenant là, vous avez vu l'audience, j'ai arrêté. Ça veut dire que je viens maintenant avec le cœur noir. Vous savez que je viens maintenant avec mon vrai teint. Je vais être très nerveuse maintenant, je ne joue plus. Vous avez vu Clarisse Yinga qui est en train de pleurer sur la toile. Qui est en train de pleurer. Personne ne fait rien. Personne ne dit rien. Je n'ai vu personne faire un live. J'ai vu ici, on dit que vous êtes les number uno. Tout le monde est les number uno. Vous êtes les plus grands influenceurs et les influenceuses sur la toile. Et il y a notre frère qui est décédé là-bas, dernièrement, au truc là.
Là, le somonza va m'a bloqué. M'a bien. Non, comme ça, dès qu'on m'a bloqué, on me rend à Olva. Clou, les malices sont au moment. Claudia, les malices sont va. Qu'aime Claudia, non? Kamala ne m'a bloqué Zanga Olvan à Olho. Donc moi j'ai dit la dernière fois à Clarisse Yinga. J'ai dit à Clarisse Yinga d'aller s'asseoir. Devant les plus hautes autorités. Qu'elle aille s'asseoir là-bas. Qu'elle prenne ses enfants et son mari. Qu'elle aille là-bas, on va nous dire si elle n'est pas camerounaise. Qu'elle prenne son mari et ses enfants. Qu'elle appelle les chaînes de télé. Elle part avec son mari et ses enfants, elle pleure. On va voir s'il n'y a pas de justice au Cameroun. On va voir s'il n'y a pas une justice au Cameroun. Qu'elle porte son mari et ses enfants. Elle part là-bas. Elle s'assoit par terre avec ses enfants. Elle demande si venir travailler avec des influenceuses, c'est un péché. Au point où on a mangé son argent. Quand elle veut réclamer son argent, on l'intimide parce qu'il y a des teams. On signale ses pages. On l'appelle, on l'insulte. On lui traite de tous les noms. Elle a dit qu'elle remettait l'affaire entre les mains de la justice. Et comme les gens ont le trafic d'influence, qu'ils ont leur gars là-bas, qui sont avec les gens de la présidence, on l'intimide. On veut faire dormir le dossier. Nous, on va commencer à frapper maintenant plus haut. Nous, on va faire en sorte que les médias vont parler de cette histoire de Clarisse Yingasi. Nous, on va aller voir les médias pour qu'on parle de l'histoire de Clarisse Yinga. Parce que justice doit être faite pour Clarisse Yinga et ses enfants. C'est une jeune femme qui pleure. Elle pleure. On a pris son dossier, on a mis à côté. Parce qu'elle n'est pas l'enfant d'eux, parce que son oncle n'est pas, parce que sa tante n'est pas, parce que sa soeur n'est pas. Comme notre pays est que quand tu n'as pas quelqu'un au pouvoir, on te piétine. Si tu ne couches pas avec quelqu'un qui est au pouvoir, on te piétine. Si tu n'es pas avec quelqu'un qui travaille à la présidence, on te piétine. Comme c'est comme ça, on a vu une ici qui publie les mamans des gens. Sans qu'on lui ait fait quelque chose, parce qu'elle dit qu'elle était à la présidence, parce qu'elle mange avec la première dame, soi-disant, elle a le droit de publier les mamans des gens. On ne dit rien. Parce que le gouvernement camerounais donne le pouvoir à certains, et certains ne leur donnent pas le pouvoir. Nous, on va commencer à dénoncer ça maintenant dans les médias. On va commencer à dénoncer ça dans les médias. Merci ma fille. Merci ma clo-clo. Ati wavana ma bloqué. Merci mon bébé. Ma bloqué. Je suis en live. Je suis en live.
comme c'est comme ça que ça se passe maintenant, c'est que dès que d'autres personnes sont plus camerounais que les autres, quoi. Apparemment, c'est comme ça. D'autres sont plus camerounais maintenant que les autres camerounais. Voilà une jeune femme. Son mari a servi notre pays. Il a eu un accident là-bas. Sa femme ne veut pas laisser son mari parce qu'elle peut refaire sa vie si elle décide de refaire sa vie. Mais elle a choisi de rester avec son mari et ses enfants. Elle se débrouille à vendre ses gélules. Les escrocs, les malhonnêtes de la diaspora l'ont escroquée. Elle vient se plaindre. Vous ne faites rien. Parce qu'il y a d'autres qui sortent avec les enfants de ceux qui travaillent à la présidence. Ils vont partir écarter, ils vont partir tuer les dossiers. Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. L'autre là-bas, là, qui fait les chirurgies du matin au soir, va s'asseoir, elle publie les mamans des gens. Elle va dire carrément que oh, la première dame, c'est son amie. Elle associe son image à la première dame. On ne dit rien. N'est-ce pas? Ou vous voulez que nous, on commence à régler nos comptes comme nous, on a appris au quartier? On commence à se comporter comme au quartier. Vous nous dites. Mieux quelqu'un guille les deux moments, pas on casse le pied de quelqu'un, on recasse l'autre pied. Comme celle qui a publié ma mère là. Elle m'a dit que quand elle veut la voir, elle dit qu'elle a fait le judo. Et elle continue à faire le judo. Moi, j'ai fait le karaté. Mais j'ai encore mes derniers katas. J'ai mes derniers katas, mes derniers réflexes. Quand je vais arriver au Cameroun, dis-moi seulement où tu es. Si tu es une femme, tu vas me montrer tes prises de judo que tu as fait. Parce que moi, tu peux me publier du matin jusqu'au soir. Hein, mais tu as publié ma mère. Et tu vas me dire pourquoi est-ce que tu as publié ma mère. Ça, c'est une promesse que je te fais. Comme vous dites que vous avez le pouvoir, vous avez les gens à la présidence là. Quand je vais t'arrêter, je jure sur tout ce que j'ai le plus cher. Tu vas pas me reconnaître. Tu vas pas reconnaître que c'est la fille qui se plaint tout le temps qu'elle est malade là. Quand je vais t'arrêter, je te dis que je te donne le brassard. Tu es une clasheuse internationale. Alors tu es une clasheuse qui associe son image à la présidence. C'est comme ça, désormais. Tu es une clasheuse internationale. Tu as pris le pouvoir, le brassard du clash. Toi, l'abeille handicapée, là. Voilà une jeune femme qui pleure. Vous avez dit que nous, on allait travailler, allait travailler. Voilà donc une qui travaille, qui veut se battre pour nourrir ses enfants, ses pauvres enfants. Vous prenez, vous mangez, vous vous asseyez, vous tapez la main à la poitrine. Vous dites que vous êtes. Donc, parce que moi, j'étais faire un tour un jour à la présidence, je vais me permettre de venir manquer de respect aux gens parce que j'étais à la présidence. Ça me donne le droit de venir manquer de respect à quelqu'un qui m'a rien fait. Ça me donne le droit de venir publier une vieille femme qui ne m'a rien fait. Voilà une femme qui est en train de pleurer. Vous ne faites rien, ça ne vous intéresse pas. Voilà une femme qui pleure. Elle crie à l'aide. On ne la laisse pas. Vous avez vu une minorité des femmes de l'Ouest qui veulent museler toutes les quoi de la toile. Vous ne voyez pas ça. Vous ne parlez pas. Vous ne dites rien. Vous ne voyez pas le tribalisme qui est en train de s'installer fort, fort. Comme Clarisse Yenga, un quoi? Ça ne lui dit rien. Ça ne vous dit rien du tout. Vous ne parlez pas. Vous ne dites rien. Vous ne faites rien. Ah, on s'en fout. C'est un quoi? Dis donc. Après, vous allez dire que vous n'êtes pas tribaliste. Après, c'est ce que vous allez venir dire.
Les sujets, vous avez dit que vous avez des sujets. Les sujets qu'il faut en parler, vous n'en parlez pas. Vous cherchez à savoir si Maléba a mangé aujourd'hui ou elle n'a pas mangé. C'est ce qui vous intéresse. Vous cherchez à savoir si le gars de Maléba est parti ou il n'est pas parti ou il est reparti ou il est revenu. C'est tout ce qui vous intéresse. Alors qu'il y a des sujets là sur la toile que vous devez parler. Voilà une jeune Camerounaise qui est en détresse, qui pleure, elle demande de l'aide. Sa façon de pleurer, ça veut dire qu'elle vous demande de l'aide. Qu'est-ce que vous faites pour elle? Rien. J'ai vu ici, dernièrement, on m'a envoyé les vidéos. Un jeune Camerounais qui a été tué en Allemagne. Qu'on a ôté sa vie comme ça. Personne n'est plus grande influenceuse. Là. Personne n'a parlé de ça. Ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ne gagnent rien dedans. Personne n'a parlé. J'ai attendu voir longtemps si quelqu'un allait parler. Moi, j'ai voulu parler de ça. On a signé toutes mes pages. Là, je passe. Je t'ai dit, je fais un contour pour arriver où je suis là. Personne n'a parlé, personne. Ça n'intéresse personne. On va s'intéresser seulement que, oh, Maléba, le gars, il était avec son ex hier. Ils sont partis, ils ont dansé, ou ils ont sauté, ou ils sont allés dormir. Et après, on vient tromper l'autre. C'est tout ce qui les intéresse, ma vie, la vie de Maléba. La vie de Maléba les intéresse. Quand je vais dire que je suis votre star, vous allez dire que non. Ce n'est que la vie de Maléba qui vous intéresse. Alors que Clarisse Yenga pleure. J'ai entendu ça hier. Ça m'a fendu le cœur. Ça m'a fendu le cœur. Quand je l'ai entendu pleurer. J'ai appelé Nico et dit à Nico que pardon, trouve-moi le numéro de Clarisse Yenga, s'il te plaît. Même sa page où elle peut se battre pour faire ses lives, vendre, mettre les témoignages, pour pouvoir donner le pain, le beignet à ses enfants le matin. Vous voulez seulement tuer ça. Que donc elle ne donne même. C'est-à-dire, vous, quand vous voulez seulement que la personne n'existe plus. Pourtant, vous avez mangé derrière elle. Pourtant, vous savez très bien que vous avez son argent dans le ventre. Après, vous allez traiter les d'autres personnes de haineux, des méchantes. Vous allez traiter les gens de haineux. Alors que c'est vous. La haine est née chez vous. La haine est née chez vous avant d'aller se balader. Vous nous avez chocosement un peu. Ça, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Hein? On a une jeune soeur qui ne veut pas aller faire les choses que les gens font là. Elle a décidé que non. Je vais me débrouiller en vendant mes petites gélules. Ça peut nourrir, payer les médicaments de mon mari et nourrir mes enfants. Elle est venue sur la toile pleurer. Ça n'intéresse personne, hein. Personne ne bouge pour ça. Parce qu'ils ont fait une association d'une minuscule fille de l'Ouest sur la toile. Les Yam. Les autres, on doit les détruire parce qu'elles ne sont pas les Yam. Et comme Clarisse Yenga est une quoi? Elle pleure là. Il se touche là-bas qu'elle dit donc. Elle dérange les gens. L'autre vient s'asseoir. Je viens t'entendre avec tous les boulots. Vous croyez que les boulots là vont caler au pouvoir? Ils vont quitter un jour. Un jour, les boulots là vont quitter. Quand vous venez dire là que vous couchez avec les boulots, un jour, ils vont quitter. Ils vont quitter.
quitter un jour. Ils ne vont pas rester éternels. Rien n'est éternel. Et après, on va vous demander encore que venez encore faire ce que vous étiez en train de faire là. Parce que maintenant, là, voilà une jeune soeur qui pleure. Moi, j'ai dit à Clarisse Yenga la dernière fois que j'ai fait le live la concernant. J'ai dit que porte ton mari. Je veux voir s'il n'y a pas le social, s'il n'y a pas. Si tu as dit la loi du Cameroun là, vraiment, comme on dit, j'entends les gens dire là, n'existe pas. Tu pars avec ton mari au palais de justice. Où tu pars même à étudier là-bas, où tu pars voir le ministre de la Défense. Tu pars te coucher devant le bureau du ministre de la Défense. On va voir s'il n'a pas un cœur. On va voir s'il n'a pas les enfants. Moi, je peux me porter garant pour te payer le taxi tous les jours. Moi, je n'ai rien, mais je peux me porter garant pour te payer le taxi que tu pars là pendant 3 semaines. Tu pars à ton mari. Vous partez là-bas. Un jour, il va seulement dire que je vois cette femme ici tout le temps avec ses enfants et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il va chercher à te rencontrer. Et je fais appel ici à toutes les personnes qui me suivent. S'ils ont un contact avec le ministre de la Défense, s'il vous plaît, demandez de le voir ce dossier-là. Qu'ils disent un mot, qu'on suive bien ce dossier-là. Parce que ce dossier, si on va effacer ça, on va mettre ça de côté. Si on ne bouge pas, Clarisse Yenga ne risque rien à voir dans cette histoire. À la lune, ce que je vois là, où on l'étouffe derrière de vouloir vendre même ses produits. Je fais appel à la justice camerounaise. Il y a une jeune soeur qui souffre, qui pleure. Son mari a servi notre pays. Et il est rentré de là handicapé. Je prie le gouvernement camerounais de faire quelque chose pour ce dossier-là. C'est une jeune camerounaise, c'est pas une étrangère. Son mari a porté notre drapeau. Son mari a porté notre tenue camerounaise. Il a servi notre pays. Il est inadmissible qu'elle pleure. Qu'on l'a arnaqué, on l'a escroqué de l'argent. Elle dépose une plainte et on veut étouffer l'histoire. Moi, je dis non. Je dis non. Justice pour Yenga. Justice. C'est comment? Donc, d'autres appartiennent au Cameroun, d'autres n'appartiennent pas au Cameroun. Rien que pour l'honneur même seulement que son mari a servi notre pays. Il est rentré de là-bas à moitié. Des femmes de la diaspora viennent au Cameroun escroquer les nobles femmes qui se battent pour gagner leur argent. Et vous allez dire qu'il y a une justice sur cette terre. On va parler, elles vont sortir, venir nous montrer qu'elles ont des connexions au Cameroun. Mais stop quoi. Elle ne vous demande pas de payer les études à ses enfants. Elle ne vous demande pas de les payer à manger. Elle demande ce qu'il est de droit. Il faut que Clarisse Yenga porte son mari. Qu'on voie son mari. Elle part là-bas au ministère de la justice là. Qu'elle parte voir le ministre
de la justice avec ses enfants et c'est son mari. Elle peut exposer son problème. Elle peut demander l'audience. Elle peut demander l'audience. Elle se couche par terre. Elle ne le demande pas, elle ne le demande pas de lui donner à manger. Elle demande que justice soit faite. Elle demande que justice soit faite. L'autre est partie au Cameroun. Elle nous a montré qu'elle sort avec le fils d'une dame qui travaille à la présidence et qu'on ne peut rien lui faire. Oh, moi je sors avec les boulous, machin. Il tape les mains sur la table. Il nargue leur soeur. Vous, l'incroyable, même qui marche avec elle-même, vous me faites même pitié. Vous me faites pitié. Regardez ce qu'on fait à votre soeur. Votre soeur, que son mari a servi votre pays. Regardez comment est-ce qu'une fille est en train de la traiter. Une fille qui dit que Bami Pawa est en train de traiter votre soeur, quoi. C'est une honte même pour vous. C'est une honte. Une vraie honte même. La fille là n'est pas une influenceuse. Si elle était une influenceuse, elle dit qu'elle même peut se battre. Elle pourrait aussi venir parler. Même parler, même on ne laisse même pas parler. Elle n'a pas le droit de parler. Elle n'a pas le droit de réclamer son argent. Elle a dit qu'elle passe par la voie normale. Elle est passée par la justice. Mais la justice aussi veut la laisser tomber. Ils ont pris le dossier, ils se sont assis dessus. Parce que le fils d'eux a appelé. C'est comme ça? C'est comme ça que vous dites que le pays, notre pays là est? Mais c'est décevant. C'est décevant, ça ne donne même pas envie ça ne donne même plus envie vraiment de faire les choses dans le pays là. Si c'est comme ça qu'on se comporte là-bas, qu'il n'y a pas de justice, n'importe qui peut t'inquiéter parce qu'on connaît quelqu'un. Parce qu'on connaît quelqu'un, n'importe qui peut te faire n'importe quoi. Moi, je demande ici comme ça au gouvernement camerounais d'essayer quelque chose à ce qui concerne Clarisse Iyenga. Je vous demande d'essayer de faire quelque chose vraiment parce que là, ça commence à bien fait quoi. Parce que moi j'ai vu cette jeune dame pleurer, ça m'a fendu le cœur. J'ai écouté ça, j'ai eu très très mal. C'est vrai que je ne suis pas humaine, mais j'ai mal quand on fait du mal à quelqu'un. Donc j'ai eu mal. Donc, s'il vous plaît, de grâce. Essayez de sensibiliser par rapport à Clarisse Iyenga. Je ne sais pas si le fait qu'elle a pleuré, qu'elle pleure, ça ne vous fait pas mal. Moi, ça m'a fait mal. J'ai suivi ça hier. J'ai eu très mal. J'ai eu très très mal. Laissez la vie de Maléba. Laissez que Maléba n'a pas mangé aujourd'hui où elle a mangé. Laissez pour moi. Pour moi là, je suis derrière une ampoule grillée qui n'a plus peur de coups circuits. Moi, je sais comment je règle mes dossiers. Je sais comment je règle mes dossiers. Je vais régler mon dossier. Moi, je sais comment je vais régler mon dossier. Je suis une fille née à Madagascar, grandie à Madagascar. Je sais comment je vais régler mon dossier. Ça là, je me prends pas la tête. Vous avez dit à la clasheuse, la plus grande clasheuse de la toile, que moi, quand je vais l'attraper, elle ne prend plus. T'as dit, la bouche là qu'on a refait, c'est ça qui veut tordre comme ça là. C'est la bouche là que je vais attraper, seulement le chi comme ça.
Si j'ai moyen, je casse l'autre pied. Bon. Je pense que j'ai tout dit. Je vais encore dire à Clarisse et Yenga, vraiment beaucoup de courage. Beaucoup de courage à toi. Sois forte. Sois très forte. Toutes les personnes qui viennent parler de ton cas, on leur lynche. Il y a des personnes qui ont peur du lynchage. Moi, je n'ai peur de personne. Moi, quand j'ai envie de dire quelque chose, je prends ma caméra, je pose, je dis ce que j'ai à dire. Je n'attends rien de personne. Je sais ce que je fais. Tu m'as fait très mal. J'ai eu mal de t'entendre pleurer. Et tu cries ta détresse là depuis. Personne ne dit rien. Même tes propres soeurs, Nkwa, les Nkwa là ne disent rien. Elles ne parlent pas qu'on doit rembourser à Clarisse et Yenga. Et l'affaire là, si on laisse, ça va passer même sur la. Comme la toile, le buzz dure un mois. Après, ça va passer comme ça là. On passe à autre chose. Clarisse et Yenga n'a personne. Elle n'a que elle et ses enfants et son pauvre mari. Vous croyez que si son mari n'était pas invalide, il ne pouvait pas aussi aller voir ses collègues ou bien partir voir, demander l'audience, d'aller voir le ministre de la Défense. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'elle porte son mari. Elle porte son mari. Elle part là-bas demander l'audience pour voir le ministre de la Défense. Elle explique son problème. Les gens même qui sont assis sur son dossier là vont, ils seront obligés de relancer le dossier. La TK, c'est envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Quand vous n'envoyez pas les cœurs comme ça, là, le direct, il est menacé. Merci pour les étoiles, ma fille. Ça me fait très mal. J'ai eu mal hier. J'ai eu. Ça m'a fendu le cœur. De voir une maman jeune. Clarisse Yenga est jeune. Elle pouvait refaire. Si les mbombos, que, non comme les nous là, les mbombos qui sont sur la toile là, refont leur vie. Clarisse Yenga est loyale à son mari. Elle pouvait dire que je reste avec un handicapé, je pars avec un handicapé, je m'avais fait ma vie. On compte les jeunes filles comme ça à nos jours. Et c'est ça que vous voulez détruire. Bon, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Là, j'ai des difficultés en ce moment pour faire des lives. C'est un peu chaud. Donc, s'il vous plaît, likez, partagez. Partagez parce que j'en ai besoin. Vraiment. Partagez au maxi. S'il vous plaît. Donc, je compte sur vous. Pour faire passer ce message-là. Faites passer le message. Essayez de sensibiliser par rapport à Clarisse et Yenga. S'il vous plaît. Nous venons des familles pauvres. Nous venons des familles pauvres. Nous, on n'a pas l'oncle qui est, ou bien. Nous venons des familles pauvres. Ne laissez pas cette femme-là comme ça, là. Pensez ne serait-ce qu'à ses enfants. Donc, je fais appel à toutes les personnes qui me suivent. Je sais que parmi vous, il y a les enfants d'eux. Il y a les soeurs d'eux. Il y a les frères d'eux. Il y a une situation au Cameroun, une jeune soeur camerounaise qui s'est fait escroquer par une femme de la diaspora qui est l'enfant d'eux, qui n'arrête pas de crier que je suis l'enfant d'eux. Et mes gars, c'est les enfants d'eux. Donc, s'il vous plaît, je vous appelle comme ça au secours. Je me mets à genoux, je vous demande, s'il vous plaît, d'aider cette fille. Aider cette fille-là, de Clarisse Yenga.
Elle a besoin d'aide. Si vous m'écoutez, si vous m'aimez vraiment, elle est là-bas au Cameroun, la personne qui veut, je peux lui mettre en contact avec quelqu'un, essaie de l'aider, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu demander que vous lui donnez à manger. Je suis en train de bloquer. Oh. Sa tête, là, la tête comme un Bouddha. Chien. Est-ce que tu laisses une danse? Dès que tu laisses une danse, ça te fait. Dès que tu mets une nouvelle, comme ça te fait l'allergie, ça me gratte. Comme me gratte. Bon, je vais vous laisser, non, pour aujourd'hui. Là, je pense que je ferai ce matin direct samedi ou vendredi soir. Ok. Bon, sur ce, je vous dis merci. S'il vous plaît. Moi, je vais essayer de contacter aussi, mais ceux que je peux contacter, qu'on essaie de voir pour le problème de Clarisse Yengasi. Hier, j'ai écouté cette femme en détresse, en train de pleurer. J'ai eu très mal. Il faut être inhumain pour entendre quelqu'un pleurer et que ça ne te touche pas. Clarisse Yengasi n'a pas porté ses enfants venir demander comme moi, et fait souvent qu'elle vient commander ici sur la toile. Elle n'est pas venue commander. Elle dit qu'on la laisse vendre ses produits et que justice soit faite. C'est tout ce qu'elle demande. Mais comme on ne veut pas faire ça, moi je demande que elle aille demander l'audience au ministère de la Défense. Qu'elle a expliqué son problème. En plus, c'est une femme instruite qui parle très bien français. Elle vous voit tout le monde. Elle respecte tout le monde. Mais certaines personnes se disent souvent qu'ils confondent souvent le respect à la peur. Toi là qui me regarde, qui n'est pas méchante, qui est gentille. Toi là qui dit que toi tu as les relations, tu peux, il faut aider Clarisse Yenga. Il faut aider Clarisse Yenga. Parce qu'on connaît que dans notre pays, là, c'est-à-dire, chacun a le coup de fil. Chacun a la carte de quelqu'un. Quand tu as la carte, là, ton problème, même si tu as égorgé, si tu as la carte, seulement tu appelles, on résout ton problème. Et Clarisse Yenga n'a pas de carte. Elle n'a pas de numéro. Vous qui avez les numéros, là, aidez cette femme-là. Parce que moi, je suis la haineuse. Vous n'êtes pas les haineux. Montrez-nous donc maintenant que vous n'êtes pas les haineux. Et que vous pouvez aider cette femme qui est en détresse, là. Vous dites que vous combattez pour le pays. Voilà un homme qui est assis chez lui, handicapé, qui a servi notre pays. Sa femme est en train d'être escroquée. L'argent qu'elle travaille pour nourrir, le monsieur qui a travaillé pour notre pays. Vous ne faites rien. Vous ne dites rien. On vient me secouer encore, on l'insulte même encore même, on met sur ça. Vous ne dites rien. Donc je vais vous laisser, je m'en vais, j'ai un rendez-vous là. Avec le soleil, c'est aussi ma chaîne sur le soleil, là, moi ça me fatigue même aussi encore. Bon, je vais vous laisser comme ça en vous disant encore merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu et qui continuent à me soutenir. Ne prenez pas ce que je viens de dire à la légère, s'il vous plaît. Partagez le live, partagez, likez, abonnez-vous à la page pour que je puisse... Vous avez vu que depuis là, quand j'avais mon petit salaire, est-ce que je venais encore déranger cela? On m'a dit que si je continue encore à faire le mandjata, le mariage va finir. Donc, comme j'aime le mariage, alors je vais faire comment? Je vais me cacher. Vous avez vu que même les deux sont finis, même pour le djansa m'a dépassé. J'ai arrêté le djansa. Je ne voulais pas vous annoncer. Je voulais seulement que vous voyez comment est-ce que mon teint change de jour en jour. Donc, il faut maintenant que je nettoie bien. Vous savez, quand tu arrives le djansa,
Il faut chercher un bon lait. Un très bon lait maintenant pour nettoyer la peau, non. Je le prends mon teint. Et je ne veux pas aller refaire les yeux. Je ne veux pas aller refaire la bouche. Je reste naturel. Maintenant, si mon gars veut aussi, si le mariage est fini, c'est qu'il n'aime pas le teint noir. Je vous dis d'abord. Mais je reprends mon teint. Je reprends mon teint. Vraiment. Surtout quand il y a le soleil comme ça, là, c'est chaud. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. On dit, si j'ai des petites vidéos, j'envoie. Si, n'oubliez pas, notre enfant, je ferai une vidéo que je vais poster par rapport au PayPal du petit là. Vous ne dites même plus rien sur ça. Moi, je suis souvent, moi, je vais toujours venir parler. Je vais faire une vidéo, je vais poster. Je vais faire une vidéo, je vais poster. Ce soir, je vais faire une vidéo. Bisous, non. Bye.